Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode 5 sur 5 des bibliothèques de Bordeaux. Aujourd'hui, nous recevons un invité d'honneur, Timmy Poilfauve, membre des Lapins de la Couronne d'Angleterre. Timmy va parler de sa première aventure, le complot, la première mission d'une série de 4 relatée par un couple d'auteurs anglais, Santa et Simon Sebag Montefiore, paru aux éditions Little Urban. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Timmy Poilfauve. J'habite dans la Garenne. J'aime retrouver mon ami Horatio qui me raconte des vieilles histoires. Souvent, je me réfugie chez lui quand mes frères et sœurs me malmènent. Récemment, j'ai intégré les Lapins de la Couronne d'Angleterre. Et fier. Très bien, bravo. Merci. Pouvez-vous nous parler de ce complot ? En effet, l'autre jour, j'étais cachée sous une vieille souche car mon frère m'avait encore chahutée quand j'ai entendu 3 rats hideux comploter contre la reine d'Angleterre. Aussitôt, j'ai couru chez mon ami Horatio pour lui raconter ce que j'avais entendu. Là-dessus, il m'a demandé de me rendre immédiatement à Londres pour informer les lapins de la couronne d'Angleterre. Mais c'est loin, Londres. Une véritable aventure. Par mes carottes, c'est un long périple que je vous invite à découvrir dans ce magnifique livre. Grâce à ce duo d'auteurs, tout y est raconté de manière intelligente, drôle et farfelue. C'est un livre qui plaira aux amateurs de romans d'espionnage, et vous découvrirez un QG souterrain sous le palais de la reine d'Angleterre. Un QG aux allures de MI6, m'a-t-on dit ? Yes, of course. Et remarquons la mise en image de votre mission. C'est un régal pour les yeux. C'est un joli reportage graphique réalisé par Kate Inley, une grande illustratrice reconnue dans le monde de la littérature jeunesse. C'est un livre vraiment à mettre entre toutes les pattes. Je vous le recommande, du moins entre toutes les mains. Merci Timmy pour votre présence et d'avoir partagé ce complot avec nos auditeurs. Retrouvez-nous pour un prochain 5 sur 5 et n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.